Ouais, Balobi, internautes tout dans le monde entier, si tu es à moi, quoi. Si tu es un jeune homme, tu es un animateur, le roi des films, mon sosso. Tu es bon dans le solo, John Image TV. Balobi, yangonu te kangi ma solo. Pose la mieux informée dans le monde. Bolanda John Image TV avec Yeme John Image. Moté ma Patricia Tumba. John Image a beti bango fimu, 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 fimu. Chicote. Image a John e beti fi, fi, fimu, fimu, chicote. Des fois, tu vois, si tu es encore John Image TV. Et donc, je suis un journaliste et intellectuel. Je suis un journaliste qui a été fait pour Kino Bazali. Je suis un des fois, tu Mariam Badimou. Donc, tu as John Image TV partout dans mon kili. Si tu es le roi des films, tu es un animateur, tu es un PC parce que des gars. Bah, je suis un journaliste qui a été fait pour Kino Bazali. Donc, on est ensemble avec John Image. Tacos. C'est ça que ça veut dire. Voilà, merci et bonjour à tout le monde qui nous suit déjà partout dans le monde entier. Nous sommes sur www.johnimage.tv. Merci pour cette grande confiance qui vous a eu le temps toujours de nous suivre. C'est ici une émission tellement francophone et tout parce qu'on aura le temps de parler avec le savant Eddy Malou. Donc lui, c'est un savant. Hein, il doit informer tout le monde, il doit expliquer les mots à tout le monde. Et tout. Nous allons essayer de parler sur ce qui concerne l'état de notre pays. Donc où est-ce que nous allons dans notre pays? Est-ce que ça va ou ça ne va pas avec notre pays? Donc il n'avait pas manqué à dire, par rapport à cela, il a voulu que nous essayions de parler. Laisse-moi te dire un très grand merci à Benny qui est derrière la caméra. Et pourquoi pas dire encore un très grand merci à Lisa Massimbo, maman social. Donc, il est vraiment soyez nakin. Excusez-moi, je dois parler à Lingala. Donc, c'est vraiment Kinshasa. Elle peut nourrir toute une commune, je ne sais pas moi, même un quartier. Donc, c'est vraiment elle que j'ai dit, c'est très grand merci. Surtout une fois de plus à Tania Dina, maman à Enzo. Alors, je ne sais pas trop si je suis prêt avec Benny. Je peux déjà dire bonjour, ça va, Eddy Malou. Bonjour, monsieur Doli. Je suis très content parce que j'ai parlé de vous-même chez mon frère Gilbert Kakese, ingénieur géologue hein, au ministère des Mines, qui est en voyage, peut-être qui doit nous répondre le pays, parce que c'est un homme qui m'a beaucoup arrangé sur la télécommunication spatiale, vraiment qui trouve ses sens sous cet angle, et pourquoi pas à ma grande dame aussi, Malou Charmante, et puis Lomax, Malou Lomingo Priscilla, qui sont là à me suivre pour la vivitescence même de cette cognostatisticité du monde. Je vous en prie. Merci beaucoup, Savant Eddy Malou, pour cette très belle présentation. Monsieur Eddy Malou, nous allons essayer de parler sur ce qui concerne l'état de notre pays. Donc, vous êtes un savant dans un pays comme l'RDC que nous sommes, mais les choses ne marchent pas convenablement. Alors, on avait voulu que non, les gens qui te suivent partout dans le monde entier, même les étrangers, qui veulent savoir, ou bien qui veulent avoir ne fût-ce qu'une idée par rapport au développement de notre pays. On n'a pas d'élection. L'élection devait se faire au mois de, plutôt l'année passée, au mois de décembre 2016, mais ça n'a pas été le cas. On a passé dans des dialogues. Mais jusque-là, vraiment, il y a toujours un, ça ne va pas dans notre pays. Je ne sais pas trop, en tant que savant, qui en dites-vous, papa? Oui, mais tout justement, c'est que je pouvais dire, je ne pouvais pas m'en passer. Parce qu'avant d'avancer à 4, 5, il faut 1. Hein, il faut d'abord mettre des choses en place. C'est ce que je peux aussi, ça me concerne, c'est pour le problème. C'est un problème de la convivialité, mettre tout le monde ensemble et que ça soit bien réparti sous cet angle. Parce qu'au Congo, nous avons l'habitude de faire impressionner. Hein, c'est faire passer pour des personnes valables parfois. Mais or ici, ce qu'il faut mettre en place, c'est la qualité. Ce n'est pas la complaisance, mais c'est chercher des voies et moyens qui sont ceux, celles-là, qui sont dans l'essence de trouver des solutions. Parce que ce n'est pas seulement quelqu'un qui a assez de passerelles, qui a 1000 bâtisses, qui s'est fait parler. Ici, on a besoin de la savantesque. Si vous n'êtes pas savant, si vous n'êtes pas génie, ce n'est pas nécessaire de s'aventurer. Parce que ça n'ira jamais. Le monde est dirigé par des coriaces, par des costauds. Vous voyez le G8, le G20, vous voyez le pape, hein, les cardinalismes même. C'est la savantesque. Mes frères sont là, c'est ce que je peux leur dire. Heureusement, nous devons travailler de commun accord. Nous, société civile, et ceux qui sont dans la majorité présidentielle, et puis il y a le rassemblement, puisqu'il ne reste qu'un,
Jean 17.20, restons ensemble et ça doit marcher. C'est pas un problème maintenant, j'ai vu des gens qui étaient là depuis 50 ans, mais qui continuent à vivotacier leur sens de politicaille. Je n'ai pas aimé ça. Quand vous avez déjà travaillé parfois 5 ans, vous vous reposez, vous permettez aux savants de pilotacier. C'est qu'on appelle pour ça faire la politique. En tout cas, c'est réservé au cerveau. Hein. Et ici, je sais que je crois au Congo. Les gens croient que c'est dans la politique qu'il y a l'argent. Non. Là où il y a l'argent, c'est dans la savantesque. Surtout les gens qui font, qui ont des affaires. Les industrialistes ont beaucoup d'argent. Quand vous faites la pêche industrielle, vous avez beaucoup d'argent, vous avez vos deux bateaux, vous avez vos quatre chalands, vous avez vos baleiniers, vous avez les stripteurs, vous avez les steamers. Vous avez beaucoup d'argent. En Europe, ce sont des gens qui ont des fermes, qui ont beaucoup d'argent. Ici, la politique n'a pas d'argent. La politique, je vous dis, c'est inutile d'essayer de tracasser, vous tuez vos frères à cause de la politique. Il n'y a rien là-bas. Mais ce qui nous importe plus, il faut des gens pour assurer ce qu'on appelle la protection civile. Si vous voyez que vous n'êtes pas dans la capacité de présenter un projet, de présenter un programme, d'être capable de discuter avec les instances, dans le sens même de stricto sensu, pas l'acto sensu, c'est pas nécessaire de venir se présenter. Parce que le monde est sous contrôle du cerveau. Madame, Monsieur Dimalou, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre pays pour que nous ayons un pays peut-être à des élections, bien pour que le pays se développe? Parce que les gens souffrent et la population souffre énormément. Mais non, je ne sais pas, et nous ne connaissons pas, vous avez fait part aussi au dialogue qui s'est passé dans notre pays, mais je ne sais pas trop si vous n'avez pas eu le temps de trouver peut-être une solution pour ce pays, monsieur. Oui, je suis allé en dernière minute, malgré tout ça n'allait pas m'intéresser. Mais je suis avec aussi des vieillards, comme moi, je vois le professeur de Noboni Sylvain, qui a tenu aussi que savant, vous devez aller là, me représenter, tout ça. Je me suis dit, j'avançais, mais c'était presque aussi la fermeture, mais ce que je peux dire à mes frères qui étaient là, c'est bien bon. Mais il ne fallait pas à tout prix répondre ce qui a été déjà dit. Quoi? Erreurs... Non, la politique du Congo ne doit pas être copiée du de 18e siècle, 19e siècle, non. La conférence de Berlin était au 19e siècle. Tout ce qui a été dit là, sur le plan interniste comme externiste, ne devrait pas se faire par l'otacier actuellement. Pour le moment, nous sommes dans ce qu'on appelle l'encouement, parlerait plus de critérium 0017-2017, à partir du 1er janvier 2000. Troisième millénaire commençait, ce qui était de 31-12-1999, les Congolais croyaient non, l'année prochaine il y aurait tremblement. Qui vous dit fin du monde? Il n'y aurait pas la fin du monde. Le monde continuerait toujours. Le monde est cyclique, mais les affaires sont linéaristiques. Voilà comment je joue avec les gens. Tu veux dire ces mots? Non, c'est-à-dire nous étions hier en 2015, critérium 0015. Mais après, l'année prochaine, ce serait critérium 0018. Monsieur Dimalou, mais je ne sais pas trop, nous sommes dans une grande confusion par rapport aux élections. Est-ce qu'il y aura... Non, la confusion est due parce que il nous faut une planification dans la programmation. Et j'ai dit que tout est scientifique et que je dois moi-même aussi plus prendre du temps pour éclairer la population. Parce que nous ne pouvons pas à tout prix attendre quand nous courons derrière le temps. L'espace-temps pour trouver la vitesse, M fois S sur S. Mais c'est un problème maintenant, il faut accélérer. Parce qu'au-delà du temps, il faut maintenant déjà courir, l'enrôlement doit vite se faire. Nous courons derrière le temps. Maintenant, il faut planifier des choses, il faut structurer, hein, utiliser le sens de la redynamisation, le sens du classicisme pour que ça se passe. Tout est scientifique. Maintenant, il faut que nous, scientifiques, nous savons, et bon, je suis seul savant ici, et nous, je dois donner des prétextes, de prétéris, comment faire sortir le pays de l'abîme. Parce que sortir le pays dans la crise. Oui, parce que nous ne sommes plus dans une période impressionnante, mais nous sommes dans la période de la pression. Parce qu'il n'y a eu aucune formule d'impression, parce que même un fou peut se prétendre. Aussi, il est dans les scorbutistes.
sionicisme, dans le parc sionicisme. Mais ce qui importe ici, c'est la pression, force sur surface. Cette force sur surface, il faut sensibiliser la population de vite se faire enrôler et que dans les sièges, dans le centre, il puisse y avoir un certain système de contrôle et la compilation comme telle. Il faut des bureaux d'études à ça déjà. Tout ce qui se ferait en ordre d'ordonnancement pouvait avoir. Ce que nous manquait peut-être, les choses de vouille que vouille étaient plus au-dessus que la planification. Voilà. Donc nous sommes en train d'avancer. Laissez-moi le temps de saluer ou bien de souhaiter un très grand joyeux anniversaire à Ketsangoï depuis Paris. Donc Ketsangoï, je sais que non, tu es là, tu me regardes, tu m'attends. Je t'ai dit c'est joyeux anniversaire, je te fais une surprise même si je ne savais pas que j'allais le faire, mais je le fais pour toi. Et surtout, encore une fois de plus, un très grand merci à toute la famille Ngoï qui sont actuellement en France. Hein, Keren Ngoï, Jemima Ngoï, Raïssa Ngoï, ainsi que Hilda Ngoï. Et puis, j'ai pas oublié Milka Ngoï. Voilà, je vous dis c'est très grand merci parce que vous êtes toujours là, vous avez le temps de soutenir votre vieille Denis Omo. On a été avec vous à Kinshasa, maintenant vous êtes là pour un petit temps et tout. Je sais que nous serons de retour. Encore une fois de plus, un très grand merci à mon vieil, hein, tonton Moulamba, l'homme très très nécessaire dans la Kati, dans la Vénanga Tongo, Thomas Moutandama, Stananga, Mambo Tibéli. Pour une fois de plus, encore un très grand merci à maman Mado, donc Mambo Tibéli. Je sais que vous êtes là pour m'attendre. Je sais pas trop, Eddy Malou, comment est-ce qu'on peut essayer de sortir dans cette crise qui ronge la République démocratique du Congo? Comment est-ce qu'on va essayer de trouver une fille qui, je sais pas trop là, en fait, un repos dans notre pays. Comment est-ce que le peuple fait se dire, voilà, maintenant dans les bancs? Oui, c'est un faux problème. Ça me concerne. D'abord, je n'ai pas oublié aussi Amédi Gandhi qui est à Paris, qui a voulu que je puisse prodromiser pour lui en aussi, tant que... C'est Nawil. Oui, oui, ils sont à Paris. Hein. Il y a Alain qui est aussi expertisé en vélo acrobaticialisé, c'est comme les rollers où les gens pouvaient rouler sur le square, sur le giratoire, qui trouve un bon sens si paritaciarisé sous cet angle de terrestre. Hein, de chez nous, c'est la congolexicomatisation dans ces panafricanismes, mais dans le monde, c'est l'euro-afokassam. L'Europe 001, l'Afrique 002, l'Océanie 003, l'Asie 004 et bien l'Amérique 005. 1 plus 2, 3 plus 3, 6 plus 4 plus 10 plus 5, 15. 1 plus 5, c'est dans les 6 ans, 6 jours du travail. Là, on peut parler des quinquennats terrestre à ciel. Hein, j'ai donné l'euro à Focassan parce que à part ça, j'ai ajouté les 5. Je ne vous avez pas répondu à ma question. Je dis comment est-ce qu'on pourra sortir dans cette crise? Oui, mais j'y arrive. J'ai voulu aussi mettre un accent sous l'angle de dédicace aussi parce que vous l'avez fait. Voilà. La crise peut se décompter si, à condition que nous puissions diminuer les heures de distraction. En tout cas, ça, c'est une pandémie qui tue les Congolais. Cyclisme, balle, foot, mais ça vient après. Parce que pour le moment, nous devons relancer la pentathématique. Les sous-sols, nous devons contrôler ce que nous avons comme les hydrocarbures, les hydroxyrées, tout ce que nous avons comme géothermie à relancer. Ce que nous avons sous-sol, c'est déjà une grande richesse. Malgré tout le code minier, maintenant, chez l'ingénieur Gilbert Caquet, et un frère qui est là, la géodésie, la géologie devrait jugulacier sur ces prospectus, la prospection souterraine. Mais maintenant, ce qui nous importe ici, il faut relancer l'élevage, il faut relancer l'ostologie. Le fruit même, nous pouvons le vendre. Nous sommes à une période où il y a le fruit comme les oranges. Nous devons avoir des orangeries, même le champignon, on peut vendre, on peut emboîter, on peut embouter, on peut en sacher. Qu'est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, faire passer par les oiseaux, par les systématiques des ISO? Quand je parle des oiseaux, je vois l'armée, hein, et ordonnancement supérieur des officiers, mais là, nous voyons les ISO, l'isomérie, hein, ça se... Un office congolais de contrôle, c'est-à-dire ce que les Congolais peuvent consommer. Ici, les consommations sont multidimensionnalisées. Vers l'extérieur, le Bundela, Slandel, Zanken, je salue l'ingénieur qui me l'a encore rappelé, le commerce extérieur ne peut être organisé, arrangé, ordonnancialisé, compte tenu de ce que nous pouvons produire. Les cafés, les cacao, le bois, les cotons, et pourquoi pas le maïs, sont des produits industriels bruts. Zambie ne vit que de ça, les arachides, les olio, Office national des oléagineux. Nous devons encore le répondre, l'huile de palme.
Abosondo, APCTMVO, SCAM, MBAVO, Kinyati, tout ça, nous avons Mwenge, nous avons, je peux voir, INERA, Institut National d'Études de Mvoisi. Pas seulement écrire de noms là, mais nous devons être compétents. C'est pas en vain que je lançais les compendiums. Le prêtre même à l'époque de gauche à droite, mission catholique, Kangou, Mvuangu, Kessa, Kakongo, tout ça, ils avaient leur huilerie, mais je crois que ça continue. L'université Lovanium, des plantations, même vers Canisius, là-bas, ça doit répondre. C'est que nous avons besoin, l'État congolais, nous voulons diriger, c'est bien, mais nous devons faire appel aux savants, les numéros d'appel sont là. 081-244-3198, 081-06-81-95, 082-41-42-29. Appelez, parce que sans huilerie, sans tout ce que nous avons comme technologie appliquée dans TIC, parce que nouvelle technologie, information et communication, parce que c'est à la minute, quand vous produisez par exemple des tonnes de barils d'huile, barils d'essence, même l'essence, il y a Saucir qui est là. Nous avons ici à Maluku, les barres de fer, nous pouvons les fabriquer ici. Maintenant, il y a la construction. Le sable est là pour la fabrication d'assiettes, fabrication de barres de fer, CaCO3, CaO, tout ça, la distillation fractionnée, ça, les bouteilles. Mais c'est un faux problème. Trop de football, trop de cyclisme. Ça, sont des complémentarités. Il ne faut pas en faire d'études. C'est que nous avons besoin maintenant. Appelez les savants, il va vous éclairer quels sont les produits, même les macassous, on peut vendre ça pour l'anesthésie actuellement. Je vous en prie. Côté d'un jeune belge, français, mais en tout cas, que Dieu vous accorde de grâce, parce que avec vous sur moi, nous allons retaper le monde. Voilà. Et surtout, pourquoi pas les Congos qui doivent en profiter, chasser la distraction disparate qui allait déranger les têtes de nos frères. Et surtout nos sœurs avec les films nigériens que nous allons bientôt chasser dans notre territorialité parce que ça n'apporte rien. Parce que le Bochimans, le Pulse et les Aztèques n'ont pas la même dimensionnalité des cultures. Même les Pygmées, raison de leur façon, tout ce qui est norvégien, tout ce qui est scandinave, chaque recoin a ses mentalités. C'est pas en vain que j'aurais pu lancer la congolexicomatisation dans la congolinternationalisation, accessoire comparée dans le corollaire absolu. Je vous en prie. Merci Dimalo, merci beaucoup pour ces compliments. Ça me vient vraiment trop au cœur. Je sais pas trop, à des gens qui te suivent, à des gens qui te connaissent, tu peux même saluer en passant. Oui, mais d'abord, je salue les Congolais, mais c'est que je leur voudrais dire qu'ils doivent quitter le monde de trop de distractions. Ils doivent savoir que nous sommes dans une périodicité d'avant-garde dans l'euro afokassam, qui signifie monde. Chaque pays doit apporter quelque chose dans le panier qui est la mondialisation. Depuis le 1er janvier 2000, le monde est comprimé. Ça devient un petit village planétaire. Le Congo à Forcery, c'est un tout petit village. Il n'est pas grand, le Congo. Mais les Congolais doivent avoir des cerveaux. Les têtes doivent fonctionner. Mais qui vient de raisonner à votre place? Si vous vous restez seulement matin, midi, soir, jouer, danser au stade, mais qui mettrait de l'ordre dans votre pays? Les villes deviennent trop archisalisées. Qui doit mettre de l'ordre, qui doit assainir, PENA, Programme National d'Assainissement de vos villes? Mais c'est vous qui doit... Venez, si vous avez une photo, approchez-vous. De l'ordre dans votre pays. Maintenant, il y a les élections qui doivent passer. Il faut voter des gens qui sont capables, qui prennent au moins plus des scientifiques. Le monde est dirigé par des scientifiques actuellement, je vous en prie. Des gens qui sont précis. Nous sommes dans 145 territoires, 150 cours d'eau. Nous avons 83 000 villages qui sont répertoriés dans ces ministères de l'intérieur. Et maintenant, c'est ce que je dis. À part les cours et tribunaux, et nous avons l'agence des renseignements, nous avons tout point de vue. Je sais que les Congolais ont des difficultés de penser, mais cette année, non. Les Congolais doivent être capables de bien raisonner, connaître que ça, c'est la distraction. Football, musique, tout ça sont des distractions d'avant-garde que nous devons d'abord éloigner. Mais d'abord, maintenant, c'est d'abord de cours, de grand prochainement. Vous allez à l'école à 6h, vous commencez à 7h30 jusqu'à midi, vous vous reposez 13h, vous reprenez jusqu'à 17h. En principe, parce qu'il faut bien former des Congolais qui doivent être capables de défendre leur territorialité. Savant Eddy Malou dans des tribunes internationales, mais il n'est pas là pour des petites lectures, de rien du tout. On n'en a pas besoin.
Vous venez là, vous vous présentez, le compendium, c'est au-delà du doctorat que je lançais dans le monde. On n'a pas besoin de petites choses, de rien du tout. Le pays doit avancer. Nous devons être parvenir à vendre les cacao en tonnes. Comme Côte d'Ivoire, sont les Ivoiriens ne voient rien, mais ils produisent. Eux ne voient rien, mais produisent les cacao. A fortiori, vous vous voyez, mais vous nous produisez presque l'identité économique, les gens qui font la FASEGE, Faculté d'administration d'économie et gestion, fait de Faculté économie et développement, Université catholique du Congo, qui est la première que moi-même je peux accepter. Lumen Super Flumen. Il y a Canisius que je n'ai pas oublié. Ça, ce sont toujours l'enseignement catholique des valeurs sous contrôle du Vatican. Et je salue le pape hein, qui est en train de voir contrôler le monde, même les Soudans du Sud, hein, qui donne le moyen aussi d'une manière ou d'une autre pour que le monde soit en paix. Savant est dans l'obligation d'accompagner de toute la République démocratique du Congo. D'ailleurs, 100 cours sont prévus, je vais vous les donner au stade là-bas. De 6h à minuit, vous aurez cours. 20 cours sous-sol avec les hydrocarbures, les alcanes. Vous riez trop, vous dansez trop, vous êtes dans le fit et vous faites la honte du monde entier. Vous avez tout, mais il vous manque quelque chose dans vos têtes là. Football, musique, nzango, cyclisme. Niveau Niwe à Noël Team. Eddy Malou va vous accompagner dans tout. Maintenant, le pays est en crise. Il est dans l'obligation. D'ailleurs, le programme a été déjà lancé dans le monde. Comment chasser la crise, diminuer les heures, chasser même d'abord. Hein. Le film nigérien, vous devez nous quitter cette année. Film nigérien, hein, vous nous quittez parce que un Nigérien par rapport à un Congolais, ce n'est pas la même chose. Si nous avons des Kulunas ici chez nous, les phénomènes strip-tease, Kuluna, les Tumbas, à cet enfant est Tumba, c'est-à-dire voleur, bandit, des grands chamans, à cause des films nigériens, ministère de la culture. Là, vous appelez que les joueurs et les musiciens, tous. Appelez les savants, hein. Premiers culturalistes du monde sont des savants qui dirigent la terre. Les papes, c'est un savant. Jésus-Christ est savant, Dieu savant. Structurant, actuariste, valorisant activement nouvelles technologies. C'est ça, savant, doctus. Au-delà, un compendiumiste, un savant, un compendiumiste, vous donnez des matières qui n'existent pas. Laissez les matières du 19e siècle, vous allez tourner en plagiat, dit rien du tout. Et ça gâche les gens. C'est un crime. On appelle ça la thanatologie. Et ça éventualise la lustocratie kleptocratique. Le temps que je suis là, rien. Je vais vous regrouper seulement au stade de 6h à minuit. Hein? Parce que le niveau est trop... plutôt, congolais. Au stade, il y aura aussi des étudiantes, des professeurs. Je vais répondre de toute la République démocratique du Congo. Je vais donner cours tout congolais. Même le ministre. Là-bas, quand j'ai parlé tout congolais. Parce que si vous êtes capable, je vous verrai au stade. Si vous êtes fort en énergie, on vous classerait. Vous serez dans le sous-sol, c'est-à-dire, c'est la pentathématique. Je vais développer ça. J'ai déjà lancé ça dans l'euro à Fokassam. Mais ici, sur le terrain, je vais vous prouver que vous avez un petit garçon ici très fort, dans tout, un coriace Eddy Malou. Je vais vous donner cours sans. Le niveau est trop bas. Je vais vous donner ce cours ici au stade, par canaille aussi. Oh, j'ai terminé à Londres, ah, viens, on va te dire, monsieur. Les Français seront là, les Belges, on va te dire, monsieur, assieds-toi, hein, on va vous donner cours, faut pas blaguer. Je vais te donner cours, 20 cours sous-sol, avec les alcanes, c'est un autre. Dans l'encoumement, vous aurez ça. 20 sols, Bukanga Londres, comment développer ça dans toute la République démocratique. Même dans tout ce qui est monde à l'océan, je suis ici, je vais développer le Congo sur place. À partir de là où il y a l'embouchure, là où les frères européens sont entrés, comment ils sont entrés, et le jour, l'année, tout ça, je vais vous les décrire ici sur place au stade. Je vais faire ça. Congo, je vais définir ça, c'est un petit pays de rien du tout. Je vais vous démontrer là-bas. En tant que phénomène, vous phénomène en musique, phénomène hein, en cerveau, je vous en prie. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de cette émission, merci trop de l'avoir suivi. Là c'était Eddy Malou avec comment est-ce qu'on peut chasser la crise du bien et autres dans notre pays. Alors, on a été tellement contents de suivre ça. Merci à tout le monde, merci à Tania Dina et je te dis un très grand merci. Et on se retrouve prochainement pour notre numéro, merci. C'est bon. Dernière réplique.
Ouais, Balobi, internautes tout dans le monde entier, si tu es arrivé à Moko. Si tu es jeune, tu es un jeune animateur, le roi des films, mon soso. Tu es bon à l'isolo, John Image TV. Balobi, yangonu te kangi ma solo. Pose la mieux informée dans le monde. Bolanda John Image TV avec Yeme John Image. Moté ma Patricia Tumba. John Image a beti bango fimu, 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 fimu. Chicote. Image a John e beti fi, fi, fimu, fimu. Chicote. Des fois, tu vas citer John Image TV. Et donc, naba journaliste et intellectuel, au mutu ça la des fois, tu n'as qu'à taper Kino Bazali, au moins na bongo Tony Oumu, des fois tu Mariam Badimu. Donc, t'as John Image TV partout dans Mokili. So moi, bisous le roi, mon sens, le roi des films ou hier, so animateur de zo PC là, parce que des gars. Bah journaliste, moi, mutu ça la, bah boya ma bat. Des fois, donc, on est ensemble avec John Image, d'accord.